CM la famille, j'espère que vous allez bien en direct avec Omar. Les gars, aujourd'hui on va manger. On va manger. Donc là, Sofiane, raconte où tu nous as emmené là. Là pour moi, sans mentir une de toute ma vie, c'est le meilleur grec. Meilleur grec de Paris. On est à Gournay-sur-Marne, au restaurant Soumela. Il est juste là derrière. Hop, Omar, c'est la première fois qu'il vient en vidéo. On va tester son premier grec. C'est parti. Yo la mif, vous avez 5% de réduction sur le site Allo Paradise avec le code CODEFAMILIA10. Donc là, on rentre dans le resto. Regardez, on est au restaurant Soumela. On a les petits menus. Là, on va s'installer dehors tranquillement. Vous avez vu, là, il y a la terrasse. On mange dehors? Ouais. Ok, sinon, vous pouvez manger à l'intérieur. Mais nous, on va se poser là. Ça va être carré. Donc, tu conseilles quoi comme menu, toi? Moi, ce que j'ai vu, les meilleurs, c'est le grec et l'assiette. Le grec et l'assiette? Ouais. Vas-y, on va regarder les menus. Donc, là en haut, on a tout ce qui est sandwich. Tac. Et les assiettes. Là, on a la cuisine. C'est là où ils préparent la broche, les frites. Hop, c'est super. Je vais prendre une assiette chicken tikka. Mayo algérienne. Non, il fallait dire soumela. Mayo algérienne complet. Avec le blé et les frites. Ouais, fromage. Je vais te rajouter un sandwich kebab que le sandwich. C'est pas normal. Mayo algérienne, pareil. Salade tomate. Fromage. Fromage, ouais. Avec une bouteille d'eau. Comment? 100 pieds. 100 pieds pour le sandwich. Non, pas de frites avec le sandwich. Non, non, pas de frites. D'accord. Et une petite bouteille d'eau. D'accord. Vous voulez manger à l'extérieur? Extérieur. Merci. Donc là, Sofiane, présente-nous un petit peu le pourquoi c'est le meilleur grec de Paris. Alors, je t'explique. Pour moi, pourquoi c'est le meilleur grec de Paris? Parce que la viande, elle est exceptionnelle. Ah, c'est au niveau de la viande? La viande, elle est incroyable. Donc, tu vas te régaler aujourd'hui pour ta première fois. Les quantités sont très généreuses. Et en plus, il y a une petite attention qui fait la différence. Raconte pas, dis pas, spoil pas, on verra à la fin de la vidéo. Moi, je pense que c'est vrai parce que regarde, là, il y a le grec. Et juste en face, il y a le haut tacos et il n'y a pas de clients à haut tacos. Mais alors qu'avant, c'est blindé. Et alors que là, vous voyez, c'est pas blindé de ouf, mais ça va. C'est à l'intérieur, je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu. Les commandes arrivent. L'assiette, c'est pour lui. Oh, il est chaud. J'ai même pas vu, t'avais une veste réfléchissante. Bien. Donc, famille, je vous présente le meilleur kebab de Paris selon Sofiane. Et lui, il teste pour la première fois. Le petit pain. La viande, elle fond dans la bouche. Elle m'a caressé. La viande, elle t'a caressé la bouche. Il y a le deuxième round qui va arriver là. Franchement, le serveur est super, super gentil, super classe. T'as pris quoi comme mayonnaise? Elle est magnifique. Déjà, est-ce qu'il blinde les assiettes? Parce que je vois, là, il t'a blindé la mayo. On va voir si tu vas réussir à tout terminer. Deuxième round. Ouais, c'est moi, c'est mon assiette. Merci beaucoup. L'assiette de Rissa. Oh là là, les gars, elle est blindée. Ça arrive encore? Ah là, il y a le sandwich de Sofiane. Oh là là, merci chef. Wouah, Théma, toute la viande qui t'a mis, wesh. Ça, c'est de la frappe. Aïssa aussi, super. Aïssa, c'est quoi la viande qui est tout au bout? Du poulet braisé. Ah ouais, tu nous as pas dit qu'il y avait ça. Vas-y, commence à taper. Vas-y, je vais goûter. Il y a un supplément ici ou pas? Ouais, un supplement grec, c'est moi. Attends, arrête, tu vas pas finir ça. Si, je vais finir. Bon, je suis solide. Merci beaucoup chef, c'est gentil. Je vais finir la famille, mettez un petit pouce bleu si vous pensez que je vais finir. Bon, ton poulet il est excellent. Voilà, il est excellent. En plus tu peux même redemander de la mayo. Ah, il t'a passé la mayo. Ouais, parce que j'aime bien. Parce que c'est le meilleur grec de Paris. Donc vas-y les gars, faites-nous vos petites dégustations. On va tester. Les frites elles sont comment, Sofiane, tu me dis? Issa il a changé, vous avez vu? Avant, quand il venait avec nous, ça prenait que des sandwichs, maintenant ça prend que des assiettes. Et là. C'est exceptionnel. Oui. Moi, je vois un mec sur Snap, il s'appelle l'acrobate. À chaque fois, il prend des grecs, il fait ça. J'ai toujours envie de le faire. Ils sont au milieu. Je te check. C'est vraiment un super kebab la famille. En plus il y avait la fourchette, faites pas comme moi, faites pas les sauvages. On va tester un peu le poulet. Ça par contre je serai sans pitcher parce que j'en mange tous les jours et je sais un bon poulet à un mauvais poulet. Non il est bon.
jamais goûté moi ce poulet. Il est vraiment vraiment bon. Non, il est bon, il est bon. Mais moi sincèrement, wallah Younes, reprends-moi un poulet s'il te plaît. Un poulet braisé. Ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment, quand j'avais mangé ça, j'étais choqué, wallah. Comment il est bon. Bon les gars, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé au grec. Vu que je suis en jet, mais le grec là, il est trop bon. Pour ceux qui vont demander l'adresse, on est à Gournay-sur-Marne. Le grec il s'appelle Soumela. Franchement, la viande, regardez comment elle est super bonne. Younes, la viande, t'as pas caressé la gorge? De fou, frère. A few moments later. Bon, vous avez vu, le grec a disparu. Tu penses toujours que je vais pas terminer alors, Sofiane? Tu vas peut-être terminer, mais ça va être chaud à la fin. Ça va être chaud à la fin. Omar, il en est là. Alors Omar, qu'est-ce que t'en penses de ce... Le grec, il est fini, ça, c'est le pain, ça. Le pain, c'est un truc de ouf. Franchement, il est bien mou. Donc, il me reste plus que ça à finir, la famille. Je vous dirai ce que je pense de tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en terrasse tranquille. C'est super carré. Donc, le menu, il coûte combien, Sofiane? Sandwich grec avec tout, c'est 5,50. 5,50€, hein. Regardez, c'est marqué. C'est grave pas cher. Et ça, ce que t'as pris, c'est combien à peu près? Ça, c'est 10€, t'as 2 viandes. 10€, t'as 2 viandes, c'est bien généreux. Et moi, ce que j'ai pris, il y a une seule viande, c'est combien? 8€. La fin de l'assiette, franchement, c'est exceptionnel. Ça faisait 7-8 mois, j'ai pas mangé au grec. Et je kiffe ma race. Omar, il est encore aux frites. Moi, ça, on a fini. Il y a des pigeons sur le côté, ça, lors de la manger. Je sais pas s'ils mangent. Ils mangent, ils aiment bien le pain. C'est bien. Après, je sais pas s'ils aiment bien tout ce qui est salade et tout. En tout cas, tu m'as choqué. Je pensais pas que t'allais autant tout fumer. Moi, en fait, frère, ce matin, je me suis dit, je mange rien. Mais moi, ce matin, j'ai pas mangé. Eh, il va. Mais moi, ce matin, j'ai pas mangé. Je me suis dit, t'as vu l'assiette qui m'a ramené depuis, je vais bien me préparer. Mais je sais pas, la musculation, ça me donne faim. Ouais. Je prends de la mayonnaise. Voilà, c'est à Omar. Excuse-moi, un peu de mayonnaise, oui. Parce que lui, il a pas fini. Je prends des frites. Et là, tu vois, un peu de viande. Et là, c'est bien. La dernière bouchée. J'espère que t'en as super bien profité. C'était comment alors? Excellent. Magnifique. Il a tout fini. Il a tout fini. Regardez ce qu'il nous a ramené. Un petit thé à la pomme. Un thé à la pomme, c'est... On va laisser Omar goûter. Mais comme il fait froid. Mais c'est super chaud. Donc oh, faut... la tempête. Wow. Faut boire ça comme du thé. Faut boire ça comme du thé. Je vous le dis en plus. Faut boire ça comme du thé. Voilà mon masque. Des frites sur moi. La tempête, parce la tempête. Parce que t'as pas donné du... Ah là, il a pas donné de pain aux pigeons. C'est à moi. C'est à toi. Ben tiens, il est dans ta main. Tiens. Viens goûter Soumela, viens. Il cherche des... Regardez, il doit donner du pain. Donne-lui des frites. Viens prendre des frites. En plus, il a même pas peur des humains. Allez, on y va. Un petit débarrassage. On a super bien mangé avec Omar. C'est sa première fois au grec. Bon, ça lui a fait plaisir. Grâce à l'aide d'Allah, grâce à l'aide d'Allah, bien évidemment. Là, vous débarrassez votre assiette comme ça. Voilà. Je crois normalement on n'avait pas besoin de débarrasser. Sofiane, il a récupéré son petit thé. Bien vu Sofiane le grec, hein. Très 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 bon. Waouh, il m'a fait un doigt. Les gars, on a monté à la pomme, il est trop. T'es comme ça? Ah, tu me fais des doigts. Je lui dis merci de m'avoir mis dans bon. Goûter, hein, sinon tu vas te faire démonétiser. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu fais chier, tu me rajoutes du montage. Ah, j'ai voulu faire le malin à manger, je suis en PLS, je vais aller dormir là. On voit comment il est gonflé. Moi, le crème de ça va très très bien, j'ai bien digéré. Il squatte un peu ma chambre, il a kiffé ma nouvelle chambre, donc tranquille. Magnifique. En plus, après, on doit aller taper un foot. Il est quelle heure là? On se pose un peu mon call-off. 15h53, dans une heure, on va taper un foot, moi je vais m'allonger. Bonne game.